Le lendemain, Brin vint chercher Eloen. Si vous êtes sur pied, le capitaine veut vous voir. Il est vrai que je ne l'ai toujours pas vu, mais... Ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez pu entendre dernièrement n'est pas très engageant, mais ça va aller, je vous le promets. Je viens avec vous si vous le préférez. La femme aux cheveux mauves et bleus hocha la tête et se leva. Brin déposa de quoi manger devant Brenna, qui n'avait toujours pas bougé de la fenêtre. Une fois qu'elles furent parties, la jeune femme attrapa les fruits et les fit rouler sous le lit. Elle ne ressentait plus la faim, sa colère était encore trop forte. Eloen monta nerveusement l'escalier, menant au pont et découvrit le navire pour la première fois. Il y a si peu de mousse? Oui. Un accident assez regrettable s'est produit sur l'île où nous habitions, Gwendoline et moi. C'est pour cela que nous sommes ici actuellement. Mais le reste de l'équipage était à terre et... on n'est certainement pas survécu. Cela veut donc dire que vous avez tout perdu. Presque tout. Mais pour le mieux, je l'espère. Elles étaient désormais non loin du capitaine. Comment vous sentez-vous? Demanda Enoël en voyant le train arriver. Presque bien, je suppose. Merci de m'avoir repêché. Ce n'est pas moi qui le faut remercier. C'est Brenna qui a tout fait. Mais c'est vous qui m'avez vu. C'était elle. Merci. Savez-vous ce qui vous est arrivé? Vous étiez à bord d'un navire qui a fait naufrage? Non, non. Enfin, à vrai dire, je n'en sais rien. D'accord, je sais que ça vous paraîtra très étrange, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas d'où je viens, ni ce que je faisais. Je ne sais plus rien. Que comptez-vous faire? Brin regarda le capitaine avec un air sceptique. Ses sourcils étaient légèrement froncés et il parlait sans vraiment regarder Eloen. Je ne sais pas, répondit la rescapée. Mais j'ai bien l'intention d'aller là où va Brenna. Ah oui? Vous la connaissez? Non, pas du tout. Mais elle m'a fait comprendre que nous étions différentes du reste de l'équipage. Je pense que nous allons avoir besoin l'une de l'autre. Si elle décide de rester sur ce navire, j'y reste aussi. Enfin, si vous m'y autorisez, bien entendu. Ça peut toujours s'arranger. Je vous souhaite la bienvenue sur le Galaghorn. Merci. Vous ne lui donnez pas de rôle à bord? S'étonna la mère de Gwendoline. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Le capitaine se retourna complètement vers l'horizon. Brin fit signe à Eloen de revenir avec elle. Je crois qu'il ne m'apprécie pas. Soupira la femme aux cheveux longs et bleus une fois dans l'escalier pour aller à la cave. Je me demande s'il n'a pas peur que vous preniez sa place. Je n'ai plus aucun souvenir. Ça me semble compliqué. Brenna aussi, et pourtant, avant que les choses s'envenument entre deux, elle était souvent à la barre. Si ça peut le rassurer, je ne toucherai pas à la barre. Mais j'avoue que je ne sais pas vraiment comment m'occuper ici. Vous finirez bien par trouver. Et si vous ne savez pas quoi faire, venez me retrouver en vigie. C'est assez ennuyant quand il n'y a rien à l'horizon. À deux, le temps passera plus vite. J'y penserai. Merci, Brin. D'ailleurs, je dois y aller. J'espère que vous trouverez de quoi vous occuper. Les deux femmes se séparèrent. Brin se hâta de rejoindre le haut du mât. Eloen resta un petit moment à la cale, à observer autour d'elle. Sur l'un des bancs, elle aperçut un début de proue dans un morceau de bois. Un petit sourire s'échappa de ses lèvres sans qu'elle ne sache pourquoi. Rester ici ne lui paraissait pas être une si mauvaise idée que cela. Sans qu'elle ne puisse l'expliquer, le fait de se trouver sur un navire la rassurait, même si elle ne se souvenait plus de rien. Et pas Owen! S'exclama une voix derrière elle. Pardon? Lâcha le nouveau membre du Galaghorn en se retournant. Le morceau de bateau sculpté dans le bout de bois, c'est Owen qui l'a commencé. Mais il n'a pas continué depuis le jour où il a sauté à l'eau. Gwendoline doit s'impatienter. Elle joue souvent avec un bateau similaire. C'est aussi Owen qui lui a fait? Oui, il est très doué pour ça. Mais je crois qu'il n'a plus le cœur à créer. Je m'appelle Carwin. Ajouta-t-il en tendant la main. Eloen. Répondit la femme en lui serrant la main. Elle n'y fit pas attention sur le moment, mais lors de cet échange de poignées de main, elle ressentit comme un tiraillement. C'est bien de vous voir debout. Ça fait toujours un drôle d'effet de voir quelqu'un d'inanimé être sorti de l'eau. J'espère que ça n'arrivera plus. Vous savez ce que vous allez faire ou pas encore? Je l'ignore. En réalité, tout dépend de ce que Brenna compte faire. Vous savez, j'aimerais énormément pouvoir recommencer ma vie de zéro. Je donnerais beaucoup pour oublier certaines choses, pouvoir
tout recommencer dans un nouvel endroit, avec de nouvelles personnes. Alors dans un sens, profitez-en, comme bon vous semble. Ce serait dommage de passer à côté de tant de choses pour quelqu'un d'autre. C'est vrai, mais je sens que j'ai besoin d'elle. Comme elle a besoin de vous. Je ne devrais pas vous en parler, mais il se trouve que depuis que nous connaissons Brenna, des faits étranges et surnaturels se sont produits. Maintenant que vous êtes là, elle ne sera plus seule à y faire face. Comment ça, seule? Et le reste de l'équipage? Elle est très différente de nous, tout comme vous, je suppose. Et elle a une approche différente du surnaturel. Pendant que nous sommes terrifiés, elle est la seule à agir. Même si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, je suis persuadé que vous êtes comme elle. Désormais, Brenna n'est plus seule. Je crois comprendre où tu veux en venir, même si je n'ai pas saisi tous les mots employés. Désolé, il y a plein de choses que j'aimerais vous dire, mais ce n'est pas à moi de le faire. Je vais devoir retourner sur le pont, il y a encore pas mal de réparations qui m'attendent. Le capitaine a décidé de reprendre la route au plus vite, mais il y a encore des choses à faire. Il ne faut pas que je traîne trop. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Il en est de même pour moi. Juste un instant. Si tu préfères ne pas répondre, je respecterai ton choix, mais... Pourquoi vouloir tout recommencer ou tout oublier pour repartir de rien? Pour me défaire d'un événement tragique qui me suit et me hante encore parfois la nuit. Mais cela fait partie de ton histoire? J'aurais aimé pouvoir choisir mon histoire dans ce cas. Le mousse remonta l'escalier et alla s'affairer sur le pont. Eloen s'assit sur un banc et resta perplexe, repensant au dire de Carwin, tout en regardant le début de l'ouvrage qu'Owen avait laissé à l'abandon. Il lui sembla que chaque membre du Galeac Gorm vivait ou avait vécu une grande souffrance. Pour le moment, elle n'en avait pas, mais elle se surprit à préférer en avoir une. Au moins, ça m'aurait fait une parcelle de souvenirs, même si ce n'est pas joyeux. Murmura-t-elle en se résignant à retourner sur le pont. Cela faisait maintenant plusieurs jours que Brenna restait prostrée dans la cabine ou en haut du mât. Elle ne voulait parler à personne. Le soir, quand Bride et Gwendoline allaient se coucher, la jeune femme quittait la chambre pour se réfugier sur le mât. L'ambiance à bord était pesante. Carwin ne jouait plus de flûte, les mousses ne plaisantaient plus entre eux, et Enoal avait cette expression coupable en permanence sur la figure. Eloan avait repris de la vigueur et tentait de parler avec Brenna, mais sans résultat. Gwendoline lui apportait à manger, mais lorsqu'elle revenait un peu plus tard, les fruits étaient toujours au même endroit. Ce soir-là, alors que sa mère était en train de la coucher, elle se redressa. « J'ai fait quoi de mal? Pourquoi Brenna me parle plus ?»« Ce n'est pas contre toi. » Elle est très triste, il faut lui laisser du temps. Elle ne sait pas comment gérer cette situation et est malheureuse. Mais il faut l'aider. Je veux pas qu'elle soit malheureuse. Tu sais, il faut d'abord qu'elle accepte notre aide. Pour l'instant, elle n'est pas prête. Elle va tomber malade. Mais non, pourquoi tu dis ça? La petite fille fit une moue embarrassée. Gwendoline? C'est rien dit, mais... Elle mange pas. Quoi? Tu es sûre? Oui. Quand j'apporte des fruits, ils sont encore là. Quand je reviens, alors c'est moi qui les mange. Pourtant, quand c'est moi, il ne reste rien. Attends. Bryn se pencha pour regarder sous le lit et reconnut les pommes qu'elle avait apportées à Brenna pendant plusieurs jours. Ce n'est pas vrai. Bon, reste là. Il faut que j'aille parler à Enoël. D'accord. La femme rousse quitta la cabine et se dirigea vers le capitaine à la barre. Vous devez faire quelque chose. Il se tourna vers Bryn, surpris. Je vous demande pardon. Pour Brenna. Depuis ce qu'il s'est passé dans la cabine d'Owen, elle ne parle plus. Elle nous évite. Et surtout, elle ne mange plus. Le capitaine leva la tête vers le mât où était la jeune femme et lâcha un soupir. Il m'en veut tellement. Mais il ne faut pas qu'elle se détruise la santé. J'ignorais qu'elle ne mangeait plus. Vous devriez lui parler. Bien la dernière personne à qui elle a envie de parler. Expliquez-lui pourquoi vous ne voulez pas qu'Owen et elle soient ensemble. Peut-être que ça apaisera sa colère. Mettez-vous à sa place. Elle ne comprend pas votre réaction. Et je crois qu'elle a peur de vous faire à nouveau du mal. Je sais. Nous avons de la chance qu'elle soit encore à bord. Ce n'est pas le moment de la laisser tomber. Expliquez-lui. Très bien. Tenez la barre. Quoi? Gardez-la dans la même position, ça ira. Avant que Bryn ne puisse protester, le capitaine quitta son poste et se dirigea vers le mât où était Bryn. Mais en le voyant commencer à grimper, elle se leva, prête à sauter dans l'eau. Brenna, attends. Plonge si tu veux, mais attends que je t'explique certaines choses.
Je n'aurais pas dû vous séparer sans vous expliquer pourquoi. J'ai fait une énorme erreur, je le reconnais. Je t'en veux pas pour ce que tu m'as fait, je l'ai mérité. Elle s'immobilisa mais resta debout sur la vallée. J'aimais une femme autrefois. Nous nous retrouvions sur Sky parce que mon navire et celui sur lequel elle était se trouvaient à quai en même temps. Mais un jour, le bateau de son capitaine était déjà à quai quand le Galagor m'est arrivé. Je l'ai attendu en vain. J'ai reconnu un mousse de l'autre navire à la taverne. Il m'a dit qu'elle était partie lors d'une escale en Angleterre et n'est pas revenue. J'étais abattu, mais j'espérais la revoir. Ainsi, le soir de la veille du départ, je suis allé à la taverne et j'ai bu. Bu jusqu'à ne plus me souvenir de cette soirée. Je me suis réveillé le matin, sur un matelas confortable. Une jeune femme était assise sur le bord du lit. C'était la serveuse de la taverne. Et là, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne m'en souvenais pas. La jeune femme leva un sourcil avec une expression d'incompréhension. La conception d'Owen. Je t'en prie, Brenna, c'est déjà suffisamment compliqué pour moi de te raconter ça. Toujours est-il que je n'en savais rien à ce moment-là. J'étais encore bien sous quand j'ai repris mon navire pour partir. 4 mois plus tard, il fallait retourner à Sky. J'espérais y trouver la femme que j'aimais, mais elle n'était pas là. Et personne ne l'avait vue passer. Nous ne nous sommes pas attardés et le soir même, nous reprenions déjà la mer. Il s'écoula 5 mois avant que je ne décide de revenir à Sky. Cette fois-ci, bien décidé à chercher des pistes pour emmener à elle. Je suis retourné à la taverne afin de demander si quelqu'un n'avait pas vu une personne qui correspondait à sa description. Mais avant que je ne puisse parler à qui que ce soit, le tavernier m'a saisi par le col, en hurlant dessus que j'avais tué sa fille. Je ne comprenais rien. Il m'a tiré vers l'arrière de la taverne en me jetant presque un nouveau-né dans les bras. Elle a perdu la vie en me mettant au monde ton sale gosse, m'a-t-il dit. C'est là que j'ai compris. Il m'a ensuite jeté dehors en hurlant qu'il ne voulait plus que je mette les pieds dans sa taverne. Depuis ce jour, je me suis occupé seul d'Owen. Dès qu'il a été en âge de se débrouiller, je me suis à nouveau focalisé sur le navire. Mais à chaque fois que nous revenions sur Sky, j'espérais sincèrement revoir l'unique femme que j'ai aimée. Je ne vois pas le rapport entre elle et moi. J'avais fini par soupirer Brenna. Tu ne viens pas du même endroit que nous. Tu n'es pas comme nous. Un jour viendra où tu retrouveras les tiens. Que va devenir Owen ? Je ne connais rien de l'endroit d'où tu viens, mais de toute évidence, vous ne pourrez être ensemble. Rien n'est certain. Nous connaissons le nom des Guntroker, parce qu'ils se montrent, mais concernant le reste de ton peuple, vous ne faites partie d'aucune de nos légendes. Qui veut dire que nous restons cachés des humains. Tu ne pourras pas retourner chez toi avec Owen. C'est ici chez moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Brenna, ça restera chez toi tant que tu le souhaiteras. Mais je sais que tu as conscience qu'un jour, tu repartiras là d'où tu viens. Peut-être même plus tôt que l'on ne te l'imaginait. Tu ne veux pas que mon fils souffre autant que moi à attendre ton retour pendant des années sans que tu ne reviennes le voir. Tu dois sûrement avoir un poste avec de l'importance. Alors on ne peut même pas profiter du présent à cause d'un futur dont on n'a aucune certitude ? Le point Guntroker va finir par te rattraper. Il y a un moment où tu seras très certainement confronté au fait de retourner d'où tu viens. Cela me semble inévitable. Et comment savoir si tu pourras revenir ? Les tiens auront besoin de toi à leur côté. Et si je ne veux pas ? Nous vivons dans l'incertain. Mais je refuse qu'Owen souffre de te voir partir pour ne pas revenir. Sans oublier que tu vas en souffrir aussi. Pour moi, ce n'est pas une raison suffisante. Mais alors peu t'importe de savoir qu'Owen va souffrir lorsque tu partiras ? Vous dites que si vous nous séparez, c'est pour ne pas que l'on souffre plus tard. Sauf qu'à l'instant présent, c'est le cas. Ça ne peut être que moins douloureux maintenant. Ça n'en reste pas moins de la souffrance. Je pensais que tu comprendrais. Je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je veux simplement protéger mon fils. En détruisant le peu que j'ai construit. La vraie bonne. Il redescendit du mât et retourna prendre la barre. Brin le regarda d'un air sceptique. Je lui ai parlé. Opéra-t-il. Je pensais qu'elle comprendrait, mais j'en doute à présent. Je crois que sa colère a laissé place à la peine. Observa la femme rousse en voyant Brenna se rasseoir sur la vergue, les cheveux virevoltant au vent. Elle comprend. J'espère qu'elle va se faire une raison. Eloen, qui était à l'avant du navire, avait observé la scène en silence, entendant malgré elle la conversation entre le capitaine et Brenna.
Elle se décida à rejoindre la jeune femme, espérant qu'elle accepterait à nouveau de parler. La seconde du capitaine dit qu'elle allait avoir encore de la visite, mais pourtant, elle ne bougea pas. Acceptes-tu ma présence à tes côtés ? Lui demanda Eloane une fois à sa hauteur. Elle hocha la tête. Des larmes perlaient dans le coin de ses yeux. Je suis désolée, je ne pensais pas que ce serait autant compliqué comme situation. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas ? Soupira Brennan. Je ne voulais pas, je te l'assure. Mais vous avez quand même entendu distinctement chacun des mots des Noël. Nous avons une ouïe plus développée que les autres membres de l'équipage. Nous sommes si différentes que ça. J'ai parlé avec un mousse il y a quelques jours. Carwin, je crois. Il a laissé entendre plusieurs choses concernant ce naturel. Sans oublier ce que vient de dire le capitaine. Je ne me pensais pas différente jusqu'au jour où j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. C'est à partir de là que tout s'est enchaîné. Mais je ne sais quasiment rien sur ce qui est supposé être notre peuple. Pour l'instant, j'ai toujours refusé d'en savoir plus. Je me sentais bien ici et je ne voulais pas devoir faire un choix entre ce navire et là d'où je viens. Mais le hasard a fait que j'ai rencontré des gens qui en font partie. Enfin, le hasard pour certains. Pour d'autres, ce n'est pas un hasard. C'est un acharnement. Je suis poursuivie par des membres de notre peuple que l'on appelle les Guntrokers. Et je suis persuadée qu'il en est de même pour vous. Ça fait plusieurs fois que j'entends leur nom. Et vous n'avez pas l'air de les apprécier. C'est à cause d'eux si je ne me souviens de rien. Et je suis sûre qu'il vous est arrivé la même chose. Ils doivent vouloir également que vous rejoigniez leur équipage. Je dois bien avouer que je ne comprends pas grand-chose, mais je te fais confiance. Les Guntrokers veulent éliminer les humains. Ils prétendent que c'est pour aider la planète à aller mieux. Il est vrai que certains humains font des choses vraiment horribles, mais ce n'est pas une raison pour tous les tuer. Pourquoi auraient-ils besoin de nous ? Ils doivent manquer de monde, ou... Alors c'est que nous avons quelque chose que n'ont pas, ou de plus développé. À propos de sens plus développé, est-ce que nous parvenons à percevoir la souffrance des autres personnes ? Souffrance physique, je parle. Quand j'ai soigné Owen, j'ai ressenti sa détresse respiratoire et sa douleur, mais je ne sais pas si c'est valable tout le temps. Pourquoi ? En serrant la main de Carwin il y a quelques jours, j'ai cru sentir un tiraillement venant d'elle. J'ai peut-être tout imaginé après tout. Ou peut-être pas. Même sans mémoire, il nous reste des choses innées ou apprises ultérieurement que notre corps n'a pas oubliées. Certains éléments vont vous revenir progressivement. Ne me dis rien. Je préfère le découvrir en temps voulu, plutôt que de savoir ce qui m'attend et de craindre à chaque instant que ça arrive. Rena ne put s'empêcher d'esquisser un faible sourire. C'est vous qui décidez. Je ne voulais pas non plus savoir. Assez parlé de moi. D'ailleurs, je n'aurais pas dû te poser toutes ces questions alors que tu n'es pas au milieu de ta forme. Ça m'a changé les idées quelques minutes. La jeune femme baissa à nouveau la tête et le vent, qui était tombé à l'arrivée des Noël, se releva, faisant danser leurs cheveux. Est-ce que tu veux en parler ? Il n'y a plus rien à en dire. Je suis tellement désolée. Le pire dans tout ça, c'est qu'Enoël a peut-être raison, même si je me persuade du contraire. Pas dans les méthodes, là, il a faux sur toute la ligne. Mais pour ce qui est des raisons, il n'a pas tort. Je fais tout pour ignorer, mais je le sens aussi. Qu'est-ce que tu sens ? Je ne comprends pas. Que ce soit vous ou moi, nous allons bien finir par retourner d'où nous venons. Et ce n'est pas dit qu'il puisse nous suivre. Je crois que nous n'aurions jamais dû nous retrouver dans cette situation, dénués de tout ce que nous possédons. D'après Noël, notre existence reste inconnue des humains, du moins en Terre Celte. Excepté l'existence des Guntrokers, mais personne ne sait qui ils sont vraiment. Sauf que maintenant, nous nous retrouvons exposés aux humains. Oui, mais nous ne savons pas le nom de notre peuple, donc l'équipage de ce navire non plus. Certes. Brenna, cesse de te tracasser. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous est arrivé. Ce n'est pas notre faute si des humains apprennent notre existence ou celle de notre peuple. Et si on l'était justement ? Si l'on avait rejoint les Guntrokers de notre plein gris, rien de tout cela ne serait arrivé. On se souviendrait encore de tout. Je crois que nous avons fait un choix qui nous a menés droit à l'eau, sans le moindre souvenir. Une chose est sûre, c'est que toutes les deux, nous n'étions pas d'accord avec les pratiques des Guntrokers, et nous avons choisi de ne pas les rejoindre. Maintenant, on en paye le prix. Il y a eu moi, vous, et qui sait qui d'autre a été victime des manigances des Guntrokers. Je crois que nous avons eu de la chance d'être tombés non loin du Galette Gorm. Mais tu sais, ce n'est pas parce que tu fais un choix que tu es forcément responsable de ce qui suit. Tu peux aussi en être victime. Et concernant le fait de retourner un jour d'où nous venons, justement, je pense qu'il faut profiter de ce que nous avons ici, tant que nous y sommes.
Si Owen et toi êtes ensemble en étant pleinement conscients que ce ne sera pas indéfiniment, où est le problème ? Le problème est ici. Soupira Brenna en désignant le capitaine en contrebas. J'ai entendu ce qu'il t'a raconté. Il a beaucoup souffert. Il prend sur lui en permanence, ça se voit. Si on l'aidait à retrouver la femme qu'il aime, il te laissera peut-être tranquille avec son fils. Comment retrouver quelqu'un qui n'a plus donné signe de vie depuis toutes ces années ? Elle est peut-être morte. C'est possible, mais il faut garder espoir. Et comment garder espoir quand tout semble vain ? Je vais t'avouer une chose. C'est grâce à toi si je garde espoir. Moi ? Depuis que vous êtes arrivé, j'ai enchaîné les erreurs. J'ai même failli tuer le capitaine de ce navire. Peut-être, mais tu as réussi à te construire une nouvelle vie déjà bien importante. Je sais que c'est toi la seconde de Noël. Tu avais de l'espoir jusque-là, et ça t'a permis de tenir. Voir que tu as réussi à te relever malgré ce qui t'a été infligé me donne de l'espoir pour me relever moi aussi. Vous avez l'air de bien vous en sortir. Eloël secoua la tête en fermant les yeux quelques secondes. Je n'ai pas encore trouvé de but à ma vie. J'erre sur ce navire sans savoir pourquoi ni où aller. Oh, vous allez finir par trouver. Je l'espère. Plusieurs minutes passèrent en silence. Un macareux passa tout près, faisant relever la tête à Eloël qui le suivit du regard. L'une des... lâcha Brenna. Meglanga verra l'une des... Oh, af queriolanda. Tereru okepes. La femme pressa gentiment l'épaule de la seconde de Noël avant de se redresser. Trop rechercher la liberté peut devenir une entrave. Je vais te laisser un peu seule. Je pense que tu en as besoin. Merci d'avoir accepté à nouveau de parler. Elle commença à descendre et lança. Tu devrais aller voir Carmine. Je pense qu'il a une blessure à l'épaule. Brenna la regarda regagner le pont et lâcher un soupir. Elle ne savait pas si elle était apaisée à présent ou non. Tout lui semblait flou, mais une chose était certaine. Discuter avec Eloël lui plaisait.